Tap is not just feet. Tap is the whole body, and one part of it is just as important as the other. There's no satisfaction in the world like doing a step and doing it beautifully and doing it right and knowing that you're doing it right. Honey made butterflies clumsy. À côté de Honey, même un papillon aurait semblé lourd. Il était sobre, jamais un mouvement de trop, une économie maximum, une ligne parfaite, une extension parfaite. Les tours sur lui-même étaient impeccables. Le bruit des claquettes était net et clair, comme du cristal. Je n'ai jamais vu de danseur comme lui. J'ai rencontré Honey Coles dans les rues de Brooklyn quand j'avais 15 ans et je ne l'ai plus oublié depuis. C'était avant qu'il ne forme le fameux tandem Coles and Atkins, au tout début de sa carrière qui allait durer 70 ans. Déjà, il exerçait une influence très forte sur la direction qu'allaient prendre les claquettes et le jazz. Même s'il n'a jamais connu une immense popularité, Honey Coles est connu et admiré dans le monde entier. Bien avant la formation du tandem Coles et Atkins, sa carrière de danseur démarre dans les rues de Philadelphie au début des années 20. Je venais d'un quartier de Philadelphie où tout le monde dansait. Pour nous, c'était le seul divertissement possible. Le soir, chacun descendait dans la rue et faisait son numéro. C'était devenu une sorte de compétition, car des habitants d'autres quartiers venaient se confronter à nous. C'est là que j'ai commencé les claquettes. Tout ça m'est venu en allant au Music Hall. Il y en avait un à une vingtaine de rues de chez moi qui s'appelait le Pearl Theater. Et on y voyait tous les grands danseurs noirs. Bojangles, Bubbles, Roland Holder. Je pourrais en citer tellement. Après, en rentrant chez moi, à pied, je me mettais à danser devant chaque vitrine, en essayant de me souvenir de ce que je venais de voir. Honey est marqué dès son plus jeune âge par le style précis et le sens de la mise en scène du grand Bill Bojangles Robinson, l'un des nombreux spectacles de claquettes qui se produisaient alors à Philadelphie. Il était précis, et je pense que c'est ce que j'ai appris de lui avant tout. Tout était exécuté à la seconde près, avec une grande aisance et une grande grâce. John Bubbles, lui aussi, exerce une grande influence sur Honey Coles. Il adapte les pas classiques de Bojangles à des rythmes nouveaux et plus complexes. Bubbles avait un style complètement opposé.
Il faisait des numéros plus acrobatiques, plus athlétiques. Il tournait sur ses jambes. Il utilisait plus les jambes que Bill Robinson. Hey, Bubbles? Yes, sir. Show me that step you were teaching the kids, will you? Gladly, sir. Keep going, bud. J'étais impressionné par la dextérité et la pureté du style de Bill Robinson et par les figures rythmiques de Bubbles. C'est arrivé par hasard, car je n'avais jamais pensé devenir danseur de claquettes professionnel. D'abord parce que ma mère n'était pas d'accord. Elle me disait, c'est un péché, ne fais jamais ça. Et je ne faisais jamais de claquettes à la maison à cause de ça. Et puis j'ai obtenu de participer à un spectacle qui se déroulait dans le haut lieu du music hall à Philadelphie, le Earl Theatre. J'ai réussi à convaincre ma mère de venir me voir. C'était elle la plus fière de tout le théâtre. C'est mon fils, vous avez vu? À partir de là, elle a été d'accord. À 20 ans, le jeune Honey Coles forme un trio de claquettes avec les Miller Brothers. Encensé par la critique de Philadelphie, ils quittent leur ville natale pour les Lumières de Broadway. Ils sont immédiatement engagés au Lafayette, l'un des grands musicals réservés aux Noirs. Je les revois encore danser sur ces immenses scènes. Ils ont véritablement fait sensation à New York. Le trio côtoie les grands du show business dans de luxueuses boîtes de nuit, comme le Cotton Club. Ils sont lancés et l'avenir paraît radieux, mais de retour à Philadelphie, Honey découvre que ses partenaires ont d'autres projets. Un jour, quelqu'un de mon quartier me dit « Hey, tes deux partenaires travaillent au Lincoln Theater. » J'ai dit « C'est pas possible, je les attends. Ils doivent même m'apporter mon costume ici. » Je suis allé au Lincoln Theater et ils étaient bel et bien avec un autre partenaire. Quelle a été votre réaction? Ça a été terrible. Ça a dû être vraiment dur. Je leur ai dit exactement ce que j'en pensais. Et j'ai décidé que j'allais leur montrer qui j'étais. J'ai enlevé les meubles de la pièce à côté de ma chambre. Et je me suis entraîné tous les jours pendant au moins un an. Tous les jours, je ne faisais que m'entraîner. Avec ce désir de vengeance dans le cœur. Ça descendait jusque dans mes pieds. Et quand je suis enfin sorti de ma chambre, j'étais le danseur le plus rapide du showbiz. J'étais une sorte de mystère. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil quand j'ai fait mon numéro. Ils n'étaient pas sûrs que j'étais en rythme et que c'était bien mon numéro que je faisais, parce que je faisais juste... Ils n'y comprenaient rien. Et puis j'étais engagé à l'Apollo, lors de son ouverture en 1934. Tous les types qui venaient s'exclamaient « Mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fabrique ?» Et ça s'est passé comme ça pendant longtemps, à New York, peut-être 2 ans. Parce qu'à l'époque, les gens étaient habitués à... Et si vous, vous faisiez... Ils n'y comprenaient plus rien. Je sais que c'est un grand sujet de controverse et qu'en disant ça, je vais me faire des ennemis, mais pour moi... Ce sont les danseurs qui ont créé le bebop, pas les musiciens.
Pas les gens comme Thelonious Monk, Dizzy Gillespie ou Charlie Parker. La syncope, qui plus tard a donné le bebop en musique, a été créée par les danseurs. Tous les solos de musique, d'avant la fin ou le milieu des années 20, ou le début des années 30, ça donnait... C'était ça le rythme. C'était pas... Plus tard, John Bubbles a commencé à danser sur les talons. Je vais vous montrer. Au début, Bill Robinson, Eddie Rector et tous les grands danseurs dansaient seulement sur la pointe des pieds. Juste la pointe des pieds. Puis Bubbles est arrivé et il a fait... He started that. Everybody else was tippy tippy toe and Bubbles started putting the bass drum of tap in. He was that type of dancer. And then he started rhythm turns, for example. Bubbles a introduit les claquettes sur les talons et ça correspondait au rythme de la grosse caisse. Ce qui fait que les batteurs ont été les premiers à comprendre cette évolution chez les danseurs et en tant que percussionnistes, comme les danseurs d'ailleurs, au lieu de jouer, ils ont fait... Alors les cuivres ont dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils se sont mis à syncoper la mélodie et c'est comme ça que le bebop a commencé. Les grandes formations de jazz de l'époque, comme l'orchestre de Duke Ellington, adoptent en bloc les rythmes du bebop. Et le pays tout entier vibre alors au son d'une nouvelle musique. Si l'époque est riche en innovation, les innovateurs, eux, ne font pas fortune. Honey, qui loue un appartement à Harlem, a du mal à joindre les deux bouts. Avec Shirley Atkins, il forme le tandem Coles & Atkins. Un nouveau tournant dans sa vie est le début d'une période qui durera jusqu'à ce que les claquettes aient presque complètement disparu. Il y avait un club, le Hoofers Club, pas très loin de Lafayette Theatre. C'était en fait l'arrière-salle d'une académie de billard. Et le type qui tenait cette académie aimait tellement les danseurs qu'il nous laissait toute l'arrière-salle et tous les 6 mois, il changeait le sol qui était usé. Le billard était ouvert 24 heures sur 24 et 24 heures sur 24, il y avait quelqu'un qui dansait dans la pièce d'à côté. Tous les danseurs du monde, à un moment ou à un autre, sont venus au Hoofers Club. Bubbles, Bo, tous les danseurs du monde. Quelqu'un se levait et allait danser, puis un autre le remplaçait. C'était la compétition permanente. Et ça, ça a fait progresser tout le monde. Tout le monde. Sur le ton de la satire, Honey Coles et Charlie Atkins montrent comment le célèbre John Bubbles, qui passe souvent au Hoofers Club, intègre les pas d'un autre danseur dans son propre numéro. Absorb. Bubbles had the fabulous ability to hear a rhythm and then transfer it to his feet almost immediately. As a result, in Bubbles' mind, nobody created anything. He'd look at something that somebody was doing and say, well, I'll demonstrate what I mean. You'll say that Charlie has just created a new step. Let me see that step you were doing. I'm Bubbles. You mean the one I did this morning? The one you just made up. All right, here you go. If you stay. Hold it. That first part of that again. Do that again. You didn't do it the same way twice. Oh, I thought it the same way now.
No. You say you created, you made this stuff up? This morning. Are you kidding? I remember you, boy. I remember you in Tacoma. You saw me do this very step into, look. You know it was my step all along. Don't you claim my step anymore. Looks like you added something to it, too, honey. Well, it was mine. That's the way Bubbles did it. 5 years ago, I had the pleasure of seeing two boys. Now, I really didn't think the audience was ever going to let them get off the stage talking about taking bows. They were in the hit show, that Broadway musical, Gentlemen Prefer Blondes. Well, when it comes to dancing, I prefer these boys. So may I present them to you? Not only dancing, but singing too. And here they are, Coles and Atkins. Swing is really the thing, the kind of stuff you can't help choose. Bebop's tops, you better latch on pops. Bop, 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 billy do be out in blue bow. Oh, we know the jive will keep you alive and it'll chase away your blues. A musical treat is the bebop beat. A funny man do do today, ba do da do do today. If you can't decide, pro or con, sing what you feel, that's all. What's in a name if the feel is the same, long as you're having a ball. Shelley Atkins voit pour la première fois Honey Coles sur scène à Buffalo dans l'état de New York dans les années 30. Plus tard, ils se rencontrent à Harlem et deviennent amis. Leur projet de monter un duo de danse est interrompu par la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, ils s'installent dans un hôtel de New York où ils cohabitent avec Billy Eckstein, les Mills Brothers, Billie Holiday et d'autres grands noms de la musique noire. Jolie projette également d'ouvrir un cours de danse après leur service militaire. Mais le succès de leur numéro ne leur en laisse pas le temps. En fait, on n'a jamais ouvert cette école de danse. Mais on s'est quand même bien amusé. Coles et Atkins accèdent au rang de stars à New York. Aussi sont-ils un peu décontenancés lorsqu'on leur demande d'auditionner, comme tout le monde, pour le nouveau spectacle de Broadway, Les Hommes préfèrent les Blondes. Une audition? Non, on ne veut pas auditionner, nous, c'est hors de question. Alors l'agent nous a dit, allez-y, allez-y. Alors pour le calmer, on y est allé. Il y avait 7 ou 8 numéros qui auditionnaient pour le spectacle. J'ai dit à Charlie, allez, débarrassons-nous de ça et on a fait notre truc. On s'en fichait. On a fait le soft shoe. Et l'assistante chorégraphe est venue nous voir et nous a dit, ils veulent que vous refassiez le soft shoe. On l'a refait. L'assistante est revenue vers nous et nous a dit, si vous arrivez à chanter un peu plus fort, vous êtes pris. Et on nous a entendus à des kilomètres à la ronde. C'est comme ça qu'on a été pris. À côté de nous, il y avait Ethel Waters, qui répétait aussi, la grande chanteuse de l'époque, qui avait créé ce style de chant très particulier. C'était vraiment une chanteuse hors pair. Et elle s'est intéressée à nous. Je crois qu'elle en pensait pour Charlie. Et elle venait à nos répétitions tous les jours. L'une des chansons du spectacle auquel elle participait était « Taking a Chance on Love ». Et elle nous la chantait, juste pour nous, un peu comme ça. Consequently, it was, there I go again.
Vous savez, comme elle savait le faire. C'est comme ça que le soft shoe a évolué. And of course, this brings us right into the class acts. Now, we spoke of Coles and Atkins as class acts, and they are perhaps one of the greatest of them all. And Coles and Atkins have a soft shoe that is a classic. This was always part of the class acts. They threw out the usual standard soft shoe taps and so on, and inserted their own, made up bits of ballet and modern dance and tap, sewed it all together. And I think we ought to have them do their soft shoe to an incredibly slow tempo. By all means, Len. With pleasure. Hank, this is where we use the downbeat, Pop. We're going. True. Ce soft shoe, tout le monde a essayé de le reproduire par la suite. On avait toujours du mal avec les orchestres pour qu'ils jouent aussi lentement. On disait, voilà ce qu'on va faire. On va faire ça sur le temps faible. Et eux... Non, non, c'est pas comme ça, ça fait... Il y avait un silence tellement long entre la première note et la suivante que les orchestres s'y perdaient. À l'époque où j'ai vu Ronnie et Charlie sur Taking a Chance on Love, nous pensions tous que les meilleurs, c'était ceux qui dansaient le plus vite. Donc tout le monde essayait de danser de plus en plus vite. Par rapport à moi, par exemple, qui suis grand, un danseur plus petit dansera forcément bien plus vite, c'est comme ça. Et puis, quand j'ai vu ces deux gars danser de façon si nonchalante, si tranquille, je me suis dit, c'est génial cette façon de danser si lente. C'est vraiment resté gravé dans ma mémoire. On a fait une tournée, Atkins et moi, avec Count Basie et Pete Nugent. On est allé de la côte Est à la côte Ouest. Basie passait dans un tas de music hall. Avec Pete, Charlie et Sweet Edson, qui jouait de la trompette dans son groupe. On ne fermait pas l'œil de la nuit. Les spectacles se terminaient à minuit et on buvait jusqu'à 4 heures. Et quand Bessie l'apprenait, il nous disait, c'est pour ça que, au lieu de jouer au tempo normal, vous faites... Non, moi je veux... Et il tournait la tête pour ne pas nous voir. Je lui disais, c'est trop rapide, Bessie. Et lui, c'était marrant.
Coles et Atkins font un tabac partout. Ils écument tout le pays avec les meilleurs groupes de l'époque. Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington. Ils font une tournée triomphale en Europe en 1948. Ils obtiennent aussi des rôles dans des spectacles de Broadway comme Girl Crazy et Kiss Me Kate. Enfin, ils jouent avec Tony Martin à Las Vegas et participent au Big Pearl Ballet Review. Mais à la fin des années 50, la forme d'art à laquelle ils ont consacré leur vie est en voie de disparition. Même si c'est pour eux un sujet de plaisanterie sur la scène de l'Apollo Theater, la disparition des claquettes dans les années 50 est tout sauf réjouissante. Pourquoi les claquettes ont-elles quasiment disparu à une époque? Elles étaient vraiment en chute libre à ce moment-là. Je pense que c'est le film Oklahoma qui a sonné le glas des claquettes. Auparavant, dans tous les grands films d'Hollywood, il y avait des numéros de claquettes. Avec Oklahoma, c'est une forme de danse différente qui était présentée. C'était des ballets, du modern jazz, de l'afro. Et tout ça a pris le dessus sur les claquettes. Oklahoma n'est pas le seul responsable. L'avènement de la télévision et du rock'n'roll a aussi joué un rôle important. Pour joindre les deux bouts, Honey accepte alors un poste de directeur de production à l'Apollo Theater de Harlem, qui lui aussi évolue avec le temps. Et vous avez assisté au passage du jazz au rock là-bas, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu les grands chefs de Big Band, comme le Basie Show, Eckstein Show, le spectacle de Quincy Jones, ou le Red Fox. Remplacés tout à coup par 5 ou 6 spectacles de rock qui se ressemblaient tous. Mais qui était porté au nu. C'était monotone et ces types n'avaient aucun respect pour le showbiz, ni pour le musical. Certains avaient écrit leurs chansons à peine une semaine auparavant. Et du jour au lendemain, ils se retrouvaient avec 5 à 10 000 dollars en poche et devenaient de grandes stars. Mais ils ne connaissaient rien au musical, à l'éclairage, au costume, à la manière de monter sur scène, d'en redescendre, qui sont des trucs très importants. Mais ils savaient qu'ils faisaient un carton et ça se voyait dans leur comportement. Qu'est-ce que vous ressentiez? Je filais au bar à côté, à chaque fois. J'ai fait ce que j'ai pu, mais ça me rendait tellement malade, cet aspect du showbiz, tout ce manque de respect. Ça m'a rendu presque alcoolo, tout ça. Je l'ai vu après à la télévision, dans un documentaire qui le montrait très abattu. On le voyait arpenter Times Square. Il avait une espèce de sac à dos. Il ne ressemblait vraiment pas au Honey Coles que j'avais vu danser. Il était triste. Let me just ask a quick question about the tap. It's been a great part of American dance and theater and so on. Is it gone forever? Well, with Oklahoma and some of the other Broadway shows, ballets come in now. So all the youngsters are learning ballet. That's how you get a job. And tap's faded out. These gentlemen are a dying breed. This is a great American art, and I hope it's going to be revived.
que Honey travaille à l'Apollo durant la période creuse des claquettes, son ancien partenaire Charlie Atkins dirige la chorégraphie des premiers groupes de rhythm and blues comme les Cadillacs. Cela le mènera plus tard au poste de chorégraphe en chef pour le label Motown, où il travaillera le style de groupes légendaires comme les Four Tops, les Temptations, Gladys Knight and the Pips ou les Supremes. Enfin, en 1971, les Claquettes retrouvent les faveurs du public lors de la reprise à Broadway du spectacle Nono Nanette. Après 15 ans passés dans l'ombre, Honey Coles remet ses chaussures de claquettes pour participer au spectacle Bubbling Brown Sugar. J'ai eu la possibilité de participer à Bubbling Brown Sugar. Et je ne l'ai pas laissé passer. J'étais absolument ravi de m'y remettre. Pendant un an et demi, j'ai été en tournée. Et puis j'ai commencé à donner des concerts. Dans les universités, notamment. Et je me sentais vraiment bien. Et ça a redémarré. Oui. C'est tellement surprenant que ça ait redémarré. Vous ne vous y attendiez pas, non? Non, vraiment pas. Vous l'aviez annoncé il y a longtemps que les Claquettes allaient retrouver leur public. Mais vous avez dit, non, vous n'y êtes pas du tout. On s'est pas mal disputé là-dessus. Hein? Oui, je ne pensais pas que les Claquettes auraient à nouveau du succès. Mais si. La résurrection des Claquettes est favorisée par des animateurs télé comme Dick Cavett, qui s'intéresse personnellement à Honey Coles. Cavett monte plusieurs émissions sur les Claquettes, dont une entièrement consacrée à Honey Coles. Comme l'écrit alors un journaliste, à un âge où la plupart des gens partent à la retraite, Honey Coles, lui, est en passe de devenir plus populaire que jamais. This program is coming to you from the Cotton Club in Harlem, New York City. Now, Cab Calloway, the Prince of Idaho, will entertain you with some hot jar razzmatazz. La participation de Honey Coles au premier Cotton Club de Harlem dans les années 30 fait de lui l'acteur désigné pour le film de Francis Ford Coppola consacré à cet endroit. Il joue, et pour cause, le doyen du Hoffers Club. Sugar, I want you to marry me. I'm already married. You're the president of the club. It's like a captain at sea. See, you can perform the ceremony, and I need you to do it right now, because I can't wait for you. Listen, if you take this man for your lawful wedded husband, you're crazier than he is. Sugar, would you just smash? Furthermore, ain't no women allowed. What are you doing in here? Well, we should have banned the rules. Why not no women? Why not no women allowed? Because this is the Hoofers Club. It's Hoofers. Yeah. Hoofers. Yeah. Hoofers. Yeah. Hoofers. Yeah. Hoofers. I'll show you what I'm talking about. This is going to be something, baby. This is what you do. Give me a little music, Jay. Down, Sugar. Cette scène dans laquelle joue Honey Coles est vraiment la meilleure. Quand j'ai vu le film, au moment où il achève son petit numéro de danse, les spectateurs dans la salle ont applaudi, et ils n'ont applaudi à aucun autre moment. Je pense que 75% des gens qui ont vu le film ne savaient pas que c'était Honey Coles, ne le connaissaient même pas. C'est vraiment réservé à un petit nombre de personnes de le connaître.
to know about him. He wasn't hugely. Il n'était pas immensément connu. Il était respecté au sein d'un certain cercle. Mais ça ne change rien à ce qu'on voyait à l'écran, ni au fait que des spectateurs aient applaudi pendant un film. Ses rôles dans Cotton Club et dans Dirty Dancing sont un tournant dans la carrière de Honey Coles, qui est également récompensé pour sa participation au grand succès de Broadway, My One and Only. What's wrong? Oh, Lord, this boy's gonna make me get up out of this chair. Honey était un gentleman. Sa manière de danser était dans le prolongement de ce qu'il était. Le corps ne ment pas. Quand on danse, on s'exprime. Les mouvements ne mentent jamais. Honey était un gentleman. Et sa danse était le résultat de ce qu'il était. La salle a littéralement explosé. L'orchestre a joué My One and Only à tout rompre. Et Honey est monté sur scène. Nous étions tellement heureux pour lui qu'il reçoive enfin ce qu'il méritait. J'étais plus heureux lorsqu'il a gagné ce soir-là que lorsque j'ai moi-même gagné, parce que c'était justice. Il le méritait. He deserved it. This is without a doubt the greatest thrill of my life, and there are so many people that I'm grateful to. I just can't begin to name them all, but I can start out with Mike Nichols, Peter Stone, both Tommy's Tune and Walsh. Just so many people, but there is one element that I'm most grateful for, and two, since this is the year of tap dancing, there is one element that I must acknowledge. Ladies and gentlemen, in my case, it's Father Time. He let me stay here long enough. Charles Honey Coles. For the sheer American vitality of his exuberant dance and choreography. En 1991, Honey Coles devient le premier danseur de claquettes de tous les temps à recevoir la médaille des arts présidentiels. Ils avaient enfin reconnu les claquettes comme une forme d'art. Nous qui étions toujours les plus mal lotis. C'est toujours nous qui avions les moins bonnes loges, la moins bonne position dans un spectacle, le moins de considération, voire pas de considération du tout. Mais dès qu'ils avaient besoin d'une séquence qui frappe fort, c'était amener les danseurs de claquettes. Et on sauvait le spectacle tout entier. C'est comme ça que ça se passait. It's just a natural thing. Alors que le succès des claquettes redémarre dans les années 80, les cours de danse aux États-Unis, en Europe et même au Japon sont assaillis par tous ceux qui découvrent les joies de cette discipline. Et Honey Coles est là pour dispenser son savoir. You'll be sorry. You'll be sorry. Wait till I get you experience. Good morning. You see how natural it is? Good morning. Now, let's get down to a little work. Même à plus de 80 ans, alors qu'une attaque d'apoplexie l'a privé d'une partie de ses capacités à danser, Honey continue d'enseigner son style à une génération nouvelle.
tempos. Shall we try that once? Yeah, dee dee da, dee dee da, dee dee dee, bow, dee 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 dee, bow. Okay, one, two, a one, two, three, and. Yap, 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 yap. Ah, oh, yap, 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 just like a throwaway there. Yap, 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 yip, 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 yip. Okay, one, two, a one, two, three, and. Ah, he gets very excited. C'est quelqu'un de très passionné, mais ce n'est pas un professeur facile. Il est dur. Il s'attache à chaque son, à chaque détail. Il a un côté poétique, sensible, arrogant, sauvage, doux. C'est un mélange extraordinaire qui fait de lui un artiste et un artiste accompli. Ça ne change rien qu'il ait ou non ses chaussures aux pieds. Le talent est là. Aujourd'hui, danseuse de claquettes de niveau international, Brenda Bufalino rencontre Ronnie Coles durant son adolescence, alors qu'il était danseur de claquettes professionnel à New York. Au fil des ans, elle sera son élève, sa partenaire sur scène et sa collaboratrice, lui apportant un soutien déterminant à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Tap is not just feet. Tap is the whole body. And one part of it is just as important as the other. I mean, the sound has got to be there, of course. But the whole, the face and the arms, and the arms carry you. You must sell. You must sell. Yeah, you know, it's so easy. Anybody can do this stuff, you know? And that's the feeling that the audience gets. More people sit in the audience and say, I can do that stuff very easily. Until they try, you know, and there's a big difference. Say, ah. Well, it's pretty phenomenal. C'est assez phénoménal. Je suis danseuse de claquettes professionnelle et il a complètement bouleversé ma vie il y a 3 ans environ. Ce sont ses pieds, son cœur, son âme. C'est lui. C'est très dur à expliquer. C'est tout ce qu'il est. C'est un métier merveilleux que nous faisons là. C'est comme une famille où Honey enseignerait à ses petits-enfants. C'est à la fois l'histoire avec un grand H et une histoire de famille. Ça demande beaucoup d'efforts, de travail, d'évangélisation. On parle, on apprend, on fait des spectacles. Il faut beaucoup donner et être passionnant. Il faut jeter son filet à l'eau et attraper beaucoup de poissons. Mais Honey est un bon pêcheur. What's that turkey doing hiking outside the door? Come on in here, man. Come on in here. Bien que Cholly Atkins et Honey Coles apparaissent rarement ensemble les derniers temps, ils se rencontrent tout de même lors d'un festival de claquettes à Portland, dans l'Oregon. Don't applaud too much, you'll get a big head. Hello, Charles. Yeah, I'm fine. Now, all right, yeah. Now, what happened with your class this morning? Well, a lovely class. Most of your kids were in it. Show me one move that they did. No. Let me just one move. Show me the moonwalk. Do the moonwalk. No, we'll do the Charleston. Oh, okay. Yeah, I love that. Yeah. Yeah, the downtown Charleston. Yeah, yeah. Oh, all right. Yeah, yeah. That's a standstill camel walk. Yeah. You remember that? Contrairement à de nombreux autres duettistes,
Coles et Atkins sont restés de proches amis toute leur vie. Ils gardent vivant le souvenir de leur époque et utilisent souvent des enregistrements de leur début sur scène pour transmettre le style d'hier aux vedettes de demain. Au terme de cette série d'ateliers, Honey Coles et ses élèves vont passer de la salle de danse à la scène. Ladies and gentlemen, Mr. Charles Honey Coles. Honey Coles anime alors des spectacles de variété à travers tout le pays. De maître de claquettes, il devient maître de cérémonie. Oh, that's the kind of night we're gonna have now. Just, you all got the mood going, so just keep it that way. Keep it that way. When I watch Lorsque je regarde ces types danser, je vois leur vie. You see them? Leur vie, c'est leur danse. Je n'ai jamais passé autant de temps avec Honey que les gens qui ont étudié avec lui. Mais je le connais. Je le connais indirectement à travers son travail. Je le connais par un petit signe de tête qu'il a pu me faire, un regard, un clin d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai le sentiment de le connaître. Je me sens très proche de lui. Nous connaissons tous Honey. Quand vous êtes danseur de claquettes, vous vous devez de connaître les gens, de savoir qui ils sont. Donc quand Honey dit... On sait ce qu'il veut dire. Il avait ce merveilleux phrasé allongé, très mélodique, que je n'avais jamais entendu ailleurs. Il a fait l'histoire, et c'est à nous de dire à quel point il a innové en faisant l'histoire. Ce phrasé, son jeu de jambes, sa rapidité, une certaine forme d'élégance, sa forme. L'idée aussi que c'est le danseur de claquettes qui a créé le bebop. Il en parle très souvent. Pour moi, le danseur de claquettes dont il parle, c'est lui. Lui ne le dira pas, mais moi je le peux. Brenda Bartolino, take a bow. Brenda Bartolino. Yes, indeed. We have another real, real rare treat tonight. His feet are just so fast. I don't know what he's doing half the time. And when I don't know, what am I standing up here for? Well, I want you to bring him on anyway. His name is Savion Glover. Quand je pense à Honey, je pense à élégance. Même aujourd'hui, il conserve ce côté élégant. Il est toujours en costume. C'est quelqu'un d'une grande élégance. Je me souviens, un jour, nous étions à Boston. Et j'exécutais un pas sur le côté de la scène. Et Honey m'a donné un autre rythme. Il ne montrait jamais les pas. Il se contentait de me donner le rythme. J'ai dû refaire l'exercice 4 fois parce que les 3 premières, ça n'allait pas. Et je l'ai fait jusqu'à ce qu'il soit satisfait.
C'est un véritable bonheur. Chaque fois que nous sommes ensemble, le simple fait qu'il soit Ronnie Coles et qu'il tienne cette place dans le monde de la danse, c'est quelqu'un d'une grande élégance. Ce qui m'impressionnait le plus chez Honey, c'était sa générosité. Il était très généreux pour tout. Il était généreux avec les étudiants, avec les gens. Quand il enseignait, quand il vous aidait, il travaillait des heures durant. N'importe qui pouvait venir le voir et lui dire « Viens voir ce que je fais ». Et il venait. If you go, you know you'll grieve me. All in life on you depends. On était connus pour la distinction de nos spectacles, parce qu'on ne faisait pas ce que la plupart des danseurs noirs faisaient, comme le grand écart, les volte-face, les plateaux qu'on fait tourner et tout ça. Nous donnions un spectacle sobre. C'était l'anniversaire de Baby Lawrence. Et on a tous fini dans un endroit appelé le Jazz Museum sur la 55e rue. Tous ceux qui faisaient des claquettes à l'époque à New York étaient là. Honey aussi. Et bien sûr, c'est de lui qu'on se souvient. Tous les autres se levaient et faisaient. Tandis que lui a fait. C'était vraiment le meilleur, le roi. Il était mon Fred Astaire à moi. Je n'avais pas besoin d'avoir Fred Astaire. Je l'avais lui. Mais peu de gens le savaient à part moi et quelques autres qui l'aimaient. Honey et Cholly n'ouvriront jamais cette école de danse dont ils avaient rêvé. Mais Honey Coles, mort à 81 ans, aura instruit et inspiré des dizaines de milliers de danseurs de claquettes et subjugué les salles du monde entier. Il disait souvent que le plus agréable dans le show business, ce n'est pas l'argent, mais le plaisir qu'on donne aux autres. En cela, Honey Coles, le danseur distingué, aura été parfaitement comblé. Nous passions dans la ville de Hurley, en Pennsylvanie. Je n'oublierai jamais cette ville. Il y avait 4 ou 5 autres numéros d'inscrits, et nous étions avant-dernier. On a littéralement éberlué les spectateurs. Normalement, nous restions 16 à 17 minutes en scène, mais là, le public continuait à applaudir. Alors, je me suis mis au piano, et j'ai chanté, et Cholly a dansé. On a fait absolument tout ce qu'on savait faire, mais le public ne nous laissait toujours pas partir. Ça a été l'un des moments les plus forts de ma vie. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça ne s'est plus jamais reproduit depuis. Et je me disais, quand est-ce qu'on vient jouer ici ?